Wesh les poutous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de nouveaux modes de jeu qu'il y aura sur Call of Duty Warzone et sur Call of Duty Modern Warfare. Alors ce sont des leaks, ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais apparemment le leaker a une très bonne renommée, donc logiquement on devrait pouvoir lui faire confiance et logiquement ça devrait arriver sur Warzone et Modern Warfare. Alors la première information la plus importante et la plus hypante, c'est qu'il y aura bientôt un mode zombie royal sur Warzone. Oui, vous avez bien entendu, un mode zombie royal, un peu comme il y avait sur Black Ops 4 avec le mode Warzone, avec des endroits où il y avait justement des zombies. Mais là, ce serait un mode de jeu vraiment avec toute une map de zombies, donc la map de Warzone remplie de zombies. Alors ce mode de jeu est assez spécial parce qu'en fait, les joueurs qui seront dans le jeu, s'ils se font tuer par d'autres joueurs ou par d'autres zombies, vous allez devenir, donc le joueur qui sera mort va devenir un zombie. Et ensuite, ce zombie-là, donc le joueur qui est un zombie, il va carrément pouvoir manger le cœur d'un autre joueur, donc par exemple un joueur qui est par terre en PLS, s'il lui mange le cœur, il va carrément pouvoir revivre et redevenir humain pour continuer la game. Donc ça, c'est ce qu'il est marqué dans la description du mode de jeu. Je vous lis la description, il est marqué « Zombie Royal, soyez la dernière équipe avec un humain vivant pour gagner. Les joueurs se transforment en zombies à la mort, mais peuvent redevenir humains en consommant le cœur des joueurs tombés. » Donc voilà la description, donc vous l'avez compris, c'est ce que je viens de vous expliquer. Franchement, ça peut être pas mal du tout. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec ce mode de jeu. Mais ce qui m'étonne, ce qui m'impressionne, c'est que il va y avoir Call of Duty Cold War avec un zombie. Et là, ils nous mettent un zombie sur Modern Warfare Warzone. Ben, je comprends pas trop le délire parce que ça fait un peu de l'ombre pour Cold War. Ou alors, c'est un peu un bêta test pour voir comment ça pourrait donner un zombie en Warzone. Pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire sur Cold War, sur le nouveau zombie Cold War. Franchement, je ne sais pas, je trouve ça juste un peu suspect. Qu'ils nous mettent un mode zombie, or que ça fait 2 ans qu'on attend un mode zombie, ça fait 2 ans qu'en zombie on n'a rien à se mettre sur la dent. Et là ils nous sortent un zombie juste avant Cold War qui est aussi censé nous sortir un zombie. Donc, on se pose un... Enfin, moi personnellement je me pose un peu des questions sur l'information du leak et je me demande aussi pourquoi ils le font maintenant, or qu'ils auraient pu le faire bien avant. Enfin bref, maintenant je vais vous parler d'un autre truc aussi sur Warzone, c'est que la map de Warzone pourra prochainement devenir un cycle jour-nuit. Donc c'est possible que la map de Verdansk soit plongée dans une nuit totale. Donc ça franchement ce serait cool. Ça ferait un peu comme Fortnite. Donc le lever du jour, le coucher du soleil et tout ça, la nuit. Franchement ça pourrait donner un petit plus dans le mode Warzone. Hein, voilà, dans le Battle Royale de Warzone, ça pourrait donner un petit plus. Pourquoi pas? Donc je vous affiche une image à l'écran. Donc c'est une image qui a été leak apparemment de Warzone en pleine nuit. Donc voilà, vous voyez, il y a la pleine lune, il y a des petites lumières dans les bâtiments. Donc je trouve que c'est assez stylé. Après c'est clair que pour voir des ennemis dans Warzone avec la nuit totale, ça va être compliqué. Mais bon, ça reste à voir et je suis impatient de tester. Alors il y a d'autres modes de jeu qui vont arriver sur Warzone. Donc je vous les affiche à l'écran. C'est Pandemic Outbreak, Armored Cargo Truck War, Plunder Fearsal. Zombie Royal, donc voilà le Zombie Royal, je vous en ai parlé. Donc je ne sais pas c'est quoi les 3 autres modes de jeu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et là, je vais vous montrer pour des nouveaux modes de jeu qu'il y aura dans le mode Modern Warfare. Donc là, il y en a 2, je vous les affiche à l'écran. C'est September to Shoot Member, All Shoot House, All Shipman for Wall of Mount. Enfin voilà, j'ai pas de traduction française et mon anglais est complètement pété, donc excusez-moi. Et pour le deuxième mode de jeu, ce sera Realism Ground War Reinforce, voilà, un truc dans le genre. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est ces 2 nouveaux modes de jeu, mais ils apparaîtront apparemment prochainement dans Modern Warfare. Alors il faut savoir que les leaks que je vous ai dit là maintenant, tous les leaks que je viens de vous dire, on n'a aucune date officielle et rien n'a été officialisé. Donc pour l'instant, on ne sait pas quand ça sortira et on ne sait pas si c'est vraiment officiel. Mais en tous les cas, la source est une source très fiable, qui s'est avérée très fiable sur plusieurs sources, plusieurs leaks qu'il nous a donné. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Enfin bref, voilà qui termine ces informations. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.
breath.